Puis-je savoir quelles sont vos intentions à l'égard de ma suite et de moi-même? Le second m'a dit que vous étiez de sang noble. Est-ce vrai? Oh. Oui, c'est vrai. Je dois vous demander votre nom. Oh. Est-ce absolument nécessaire, monsieur? Oui, je veux savoir à qui j'ai affaire. Nom d'une défense de Narval norvégien, bien sûr que c'est nécessaire. Vous allez devoir le cracher, votre bulletin de naissance, si vous voulez retrouver votre liberté. Pardonnez-moi. L'espace d'un instant, j'en ai presque oublié que j'étais votre prisonnière. Non, vous vous méprenez. Vous n'êtes aucunement ma prisonnière. Vous êtes celle de tout l'équipage de ce bateau. Et la mienne aussi? Si j'étais la seule personne à pouvoir décider de votre destin, je vous escorterais personnellement jusqu'au port le plus proche. Mais la confrérie de la côte à laquelle j'appartiens a ses lois et je me refuse d'aller à leur rencontre. C'est pile poil ce que je disais il y a 2 minutes. Je comprends. Votre loyauté vous honore, monsieur. Mais je savais déjà que le corsaire noir n'avait qu'une parole. Je vous remercie. À présent, votre nom, s'il vous plaît. Margaret Honoré von de Graaf, duchesse de Weltenrem. Je suis flamande. Par tous les courants marins, c'est une duchesse. Oh, vous avez entendu ça? Ça sent les doublons à plein nez. Ferme ton bec et débarrasse-moi le plancher si tu veux voir le jour se lever demain. À vos ordres, capitaine. Plancher débarrassé. Pour l'heure, madame la duchesse, je vous demanderai de bien vouloir regagner vos quartiers. Nous allons rendre un dernier hommage à nos hommes qui sont tombés pendant l'assaut. Mais j'ose espérer que vous me ferez l'honneur de dîner avec moi ce soir à bord de la Fulgurante. Ce sera avec plaisir, monsieur. Qu'une drôle de tempête se lève à l'horizon. Qu'est-ce qui va encore nous tomber sur le coin du bec? Jetez-les par-dessus bord! Nous devons laisser au moins la moitié de l'équipage à bord, capitaine. 10 hommes feront l'affaire, monsieur Morgan. Nous allons la remorquer. Monsieur Morgan, veuillez doubler la garde dès la tombée de la nuit. Je ne tiens pas à avoir de mauvaises surprises ce soir. À vos ordres. Histoire. Si vous insistez, allons-y. Sous moi, cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un front renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. J'en cache les 2/3 aussitôt qu'arrivés dans le fond des vaisseaux qui leur furent trouvés. Le reste dont le nombre augmentait à toute heure.
brûlant d'impatience autour de ma demeure, se couche contre terre et sans faire aucun bruit passe une bonne part d'une si belle nuit. Par mon commandement, la garde en fait de même et se tenant cachée aide à mon stratagème. Et je fais hardiment d'avoir reçu de vous l'ordre qu'on me voit suivre et que je donne à tous. Rendez-vous sur la frégate espagnole et ramenez la prisonnière. Je vous fais voir 30 voiles. Alors, bande de feignants, vous avez entendu ce qu'a dit le capitaine? Bougez-vous. Bonsoir, monsieur. Madame la Duchesse, bonsoir. Je vous remercie d'être venue, bien que je vous ai invité si peu à l'avance. Voyons, monsieur, vous n'avez pas à me remercier. J'étais très touchée par votre aimable invitation. Mais oublions que je suis votre prisonnière, voulez-vous? Je suis venue avec Madame Myrtle, j'espère que cela ne vous dérange pas. Pas le moins du monde. Vous auriez même pu emmener votre escorte tout entière si vous aviez voulu. Madame la Duchesse, Madame Myrtle, prenez place, je vous en prie. Qui va là? J'espère que vous saurez me pardonner si je me montre peu loquace pendant le dîner, mesdames, mais il en va ainsi à chaque fois que le ciel s'assombrit et que la nuit enveloppe mon navire. Une incommensurable tristesse contre laquelle je ne puis lutter envahit alors mon âme. Mes pensées plongent au plus profond des abysses situés au large des pays brumeux, et mon cœur les rejoint dans les eaux troubles de la mer du Nord. Oh, vous le plus valeureux des pirates des Caraïbes, vous qui avez vaincu les vaisseaux des marines les plus puissantes du monde, vous le capitaine d'un équipage loyal et dévoué, vous êtes en proie à une si grande tristesse? À l'époque où je vivais à Veracruz chez le comte Almaviva, j'ai entendu le récit de vos aventures qui m'ont glacé le sang. On m'a raconté qu'une fois, alors qu'une tempête faisait rage dans les Antilles... vous avez bravé le vent et les lames les plus puissantes, protégées par des esprits malveillants. Rien ni personne n'aurait pu vous empêcher de libérer le corsaire vert et le corsaire rouge qui étaient tombés entre les griffes de... Eh bien, je vous en prie, continuez. Ne vous arrêtez pas en plein récit. Pardon, c'était inconvenant de ma part. Vous ne dites pas ça parce que je vous fais peur, au moins. J'ai entendu dire que vous aviez le pouvoir d'évoquer les âmes des morts, est-ce vrai? Calme. À quoi pensez-vous, monsieur? Je pensais à deux hommes qui aujourd'hui sont morts et dont les âmes viennent me réclamer vengeance. J'entends leurs cris à chaque heure du jour et de la nuit. Ces hommes, ce sont vos frères, n'est-ce pas? Oh.
Ce blason est remarquable. Est-ce celui de votre famille? Effectivement. Vous vous y connaissez en armoirie? Nous en reparlerons plus tard, il fait nuit noire. Il vous faut retourner à bord de votre frégate. Moko! Cessez de vous alarmer. La nuit ne me fait pas peur. Et puis la mer est calme ce soir. Je ne suis aucunement en danger. Vous souhaitez donc rester? Si vous le permettez. On raconte que vous ne trouverez le repos que lorsqu'une certaine personne aura trépassé. Est-ce vrai? Qu'est-ce que ce pauvre homme a bien pu vous faire pour vous inspirer une haine aussi profonde? Ce pauvre homme, comme vous dites, est le chien qui a décimé ma famille. Et oui, j'ai fait le serment de venger mes frères en le tuant. Même si je devais pour cela parcourir le globe tout entier des milliers de fois. Lui et les canailles qui ont eu la malchance de porter son nom maudit périront par ma lame, car ils ne méritent pas de vivre. Puis-je vous demander le nom de cet homme, monsieur? Il m'est malheureusement impossible de vous le révéler. Ce brigand ne fait pas partie de la confrérie de la côte. Cela serait beaucoup trop dangereux. Il commence à se faire tard, madame la duchesse. Votre compagnie était fort agréable, mais il est temps que vous rejoigniez votre navire. Moko! Oui, capitaine. Je vais prévenir l'équipage. Carmo et Van Stiller raccompagneront la duchesse sur la Coronia. Passez une bonne nuit, duchesse. Veuillez m'excuser, Monsieur Morgan, j'étais quelque peu distrait. Alors vous aussi, vous observiez le ciel, capitaine? Non, pas du tout. Pourquoi? Aurais-je dû remarquer quelque chose de particulier? Je crains qu'une tempête ne se prépare. Ah. Hein? Vous avez raison, Monsieur Morgan, comme d'habitude. Tous les signes avant-coureurs sont réunis, nous allons traverser un ouragan. Nous n'allons pas avoir d'autre choix que d'abandonner la frégate espagnole. Si je puis me permettre, capitaine, j'ai une suggestion à vous faire. Bien sûr, je vous écoute. Nous pouvons peut-être sauver la Coruña si nous postons la moitié de notre équipage dessus. À mon avis, cela devrait largement suffire. Dois-je leur faire courir ce risque? Faites monter la duchesse et sa suite à bord de la Fulgurante. Elles y seront plus en sécurité. Mm-hmm. Nous devrions nous y atteler tout de suite, avant que la mer ne soit trop agitée. Êtes-vous de ceux qui croient que les femmes à bord portent malheur? Que dois-je comprendre au juste, capitaine? Monsieur Morgan, que pensez-vous de la Duchesse de Flandre? Tout ce que je peux vous dire, capitaine, c'est que mon gros orteil se souviendra longtemps d'elle. Je dois vous avouer qu'elle m'effraie quelque peu. J'ai rencontré une bohémienne un jour qui m'a prédit la mort de mes frères. Elle m'a également annoncé que je mourrais à des milles de ma patrie. Et que je périrai en mer auprès de ma bien-aimée. Vous ne trouvez pas que nos voiles donnent trop de prise au vent? Tous à vos postes, ferlez la grand voile et envoyez une chaloupe à la duchesse et à sa suite!
Puis-je savoir pourquoi vous m'avez fait mander? Vous vouliez peut-être me dire quelque chose? En effet, une tempête se prépare et il est probable qu'elle soit d'une extrême violence. Nous allons devoir abandonner la Corunia et couper l'ossière qui nous permet de la tracter. Mais vous serez en sécurité ici. C'est pour cela que j'ai envoyé mes hommes vous quérir. Je vous en suis très reconnaissante, monsieur. Mais il n'est pas exclu que cela tourne mal. Vraiment? Eh bien, ce sera au destin d'en décider. Si vous voulez bien me faire l'honneur d'accepter mon hospitalité, je vous demanderai de vous mettre à l'abri. Je vais en découdre avec la Providence et les éléments. Elle vient de l'Est et fonce tout droit sur nous. Elle est née dans les eaux d'Hispaniola. Faites votre prière, les amis. Elle va nous donner du fil à retordre. Fermez les écoutilles! Je propose que nous allions chercher refuge en Jamaïque. Jamais mon navire et moi ne courberons les chines comme de vulgaires poltrons. La Corunia peut bien trembler devant l'ennemi et lui demander asile si elle veut. Ou en tout cas faire semblant. Mais oui, voilà la solution. Qui avez-vous posté à la barre, monsieur Morgan? Van Horn, capitaine. Il est fort. Il connaît bien la mer. Et surtout, il n'a peur de rien. Commandant Van Horn, coupez l'ossière et mettez le cap sur la Jamaïque! Bien, rendez-vous sur l'île de la Tortue! On change de cap, 36 degrés à l'est! Laisse, Carlos, c'est à moi de tenir la barre. À vos ordres, capitaine! Concentrez si vous... Oh, si vous persistez à me regarder ainsi. Descendez la voile, dépêchez-vous! Thank you.
Reprenez la barre, Monsieur Morgan. À vos ordres, capitaine. Madame la Duchesse, je vous félicite. Vous avez gagné tout mon respect et mon admiration la plus profonde. Je ne pensais pas que le jour viendrait où je verrais une femme défier la mort comme vous l'avez fait, et ce, dans le seul but d'assister à la lutte de mon navire contre la tempête. Et je ne le regrette pas, même si vous deviez dorénavant m'interdire l'accès au pont, je me souviendrai de cette nuit jusqu'à mon dernier souffle. Je pourrais dire à tous que j'ai vu le corsaire noir mener son navire à travers la tempête la plus dévastatrice qui se soit jamais abattue sur les Antilles. Ce fut un immense honneur pour moi de vous admirer dans une situation aussi éprouvante. Bon sang. Mon cœur bat la chamade. S'il en est ainsi, c'est que vous êtes bel et bien la femme dont la bohémienne m'a parlé dans sa prophétie. Que vous a-t-elle prédit ?